Bonsoir, il faisait gris ce matin et une légère pluie tombait sur les plages du débarquement. Il faisait gris exactement comme ce jour de juin 44 où les forces alliées lançaient la plus grande opération militaire de l'histoire en Normandie. 50 ans plus tard, pas moins de 19 chefs d'État et de gouvernement sont venus rendre hommage à ces vétérans qui ont changé le cours de l'histoire. On retrouve sur place à Arromanches Éric Cachat pour une édition spéciale du 19-20. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir Élise. Vous savez, les émotions les plus fortes sont restées silencieuses aujourd'hui sur les plages de Normandie, dans les yeux des vétérans américains. Britanniques et canadiens, dans le regard des anciens soldats de la France libre, il y avait bien sûr du recueillement, mais il y avait plus. Il y avait la fierté d'avoir participé à ces combats pour la liberté. Mais il y avait aussi une sorte de douleur secrète à la mémoire des disparus que ni les défilés, ni les festivités, ni les discours n'ont probablement réussi à complètement dissiper. Alors oui, bien sûr, de très grandes cérémonies ici, sur cette plage, tout à l'heure à Arromanches, en présence de la famille royale britannique, ce matin à Bayeux, et puis surtout cet après-midi à Omaha Beach où 17 chefs d'État et de gouvernement, près de 40 000 personnes ont rendu un hommage solennel, spectaculaire, des alliés à la mémoire des milliers de soldats tombés sur les plages de Normandie. Les cérémonies du jour suivies pour nous par Anne Gour. Au large de Omaha Beach, la patrouille de France survole les 14 navires de guerre participant au défilé naval. C'est ici que s'est déroulée cet après-midi la plus importante des cérémonies commémoratives. Un employé tué, l'autre grièvement blessé au thorax. Un des agresseurs a été maîtrisé, ses complices courent toujours. Enfin, la météo, Florence, c'est mieux. Oui, c'est l'amélioration. Aujourd'hui, vous l'avez dit, grisaille, mais demain, regardez, c'est l'amélioration pour tout le monde. Le soleil sera présent, quelques nuages le matin, mais ensuite, tout cela devrait se dissiper. Et juste un coup d'œil sur les températures, parce qu'elles vont être extraordinaires. Regardez, des températures d'été. Merci beaucoup, Florence. Météo complète à 20h, fin du 19-20, première partie. Je vous retrouve à 19h30 après le journal de votre région. À tout à l'heure. Année à Rome, les chemins du cirque mènent les plus brillants des saltimbanques à la récompense suprême, le Golden Door. Et pour une fois, c'est le public qui choisit, qui a droit au 7e ciel du chapiteau et qui reste les pieds dans la sciure. Le 10e Golden Circus Festival, mardi en fête à 20h50 sur France 3. Moi, je vis avec mon temps, le progrès. Pour révéler une peau nouvelle, j'ai découvert Plénitude Excel A3 au triple acide de fruits. Innovation des laboratoires de L'Oréal, le triple acide de fruits d'Excel A3 chasse les cellules ternes et révèle une peau nouvelle. Son complexe antiradicaux libre combat le vieillissement, son filtre protège des rayons UV. Excel A3, un résultat prouvé. Une peau plus lisse jusqu'à 54%, un teint plus éclatant jusqu'à 71%. Jamais ma peau n'a été aussi jeune. Nouveau, Plénitude Excel A3 de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Calcium, potassium, magnésium. Chaque matin, un grand verre de jus de raisin. Le jus de raisin, le jus qui fait du bien. L'Inéance a mis au point le test le plus sérieux jamais fait sur un amincissant. Parce qu'avec l'Inéance minceur, quand Nicolas sera grand, toutes les voitures auront une technologie qui offrira sécurité, contrôle, confort. Pour Nicolas, cette voiture existe déjà. Voiture de l'année 1994, c'est la Ford Mondeo, la seule de sa catégorie avec airbag Ford et air conditionné de série. Et sur Mondeo Techno, ABS, anti-patinage, toutes ces technologies dès aujourd'hui. Mondeo, beauté et force intérieure. Avec deux fois moins de calories et le même goût que le sucre, Ligne de Béguincet vous apporte bien-être et équilibre. Gagnez sur un simple coup de fil un des 2000 week-ends à l'assaut sur les boîtes morceaux et poudres. Ligne de Béguincet, deux fois moins de calories pour le même goût. On ferait n'importe quoi pour se faire prendre en photo par le Polaroid Vision. Il faut profiter du coffret Travel Vision avec en plus son sac, son film et son album photo. Constipation passagère, un médicament, Dragée Fuca. Un mot simple pour parler de constipation. En 1914, Sarajevo déjà. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche déclenchait la Première Guerre mondiale. De la guerre naissait la Yougoslavie. Aujourd'hui, elle est morte. De nouveau, c'est le plus armé qui impose sa loi et chaque camp manipule l'histoire. Alors, quel passé, pour quel avenir, dans les Balkans et en Europe ?
Les brûlures de l'histoire à Sarajevo aux origines d'une tragédie, mardi 22h55 sur France 3. Une date manquée ce matin dans un bureau de poste du centre-ville de Marseille. Un employé est mort, un autre grièvement blessé. Toujours à Marseille, le siège départemental du Front National, dévasté la nuit dernière par un attentat. L'action a été revendiquée par un correspondant anonyme. Château-Renard en liesse a fêté hier soir le retour de ses héros, champion de France de rugby du groupe 2 pour la deuxième fois. Madame, monsieur, bonsoir. Un employé d'un bureau de poste du centre-ville de Marseille a été abattu ce matin et un autre grièvement blessé lors d'un hold-up manqué. Ils avaient refusé d'obéir à des braqueurs masqués. L'un des malfaiteurs a pris la fuite. L'autre a été appréhendé sur place. Steve-Henri Peters, Philippe Barr. Le hold-up avec prise d'otage à la poste Saint-Féréol de Marseille a tourné au drame. Un malfaiteur oblige un conseiller financier à se rendre au coffre, mais celui-ci est équipé d'un système temporel d'ouverture. Un cadre tente de raisonner le gangster, un coup de feu éclate, Marc Gel, touché au cœur et transpercé de part en part. Dit par la justice, soit levé. Deux proches de Maurice Arex entendus au commissariat central de Marseille aujourd'hui, le vice-président de la Chambre de commerce et une collaboratrice de l'ancien président du Conseil général du Var ont été auditionnés par la brigade financière du SRPJ de Marseille pour une affaire de corruption. Daniel Jamet nous résume l'ensemble des autres faits marquants de cette journée. La Chambre régionale des comptes épingle le maire de La Ciotat. Dans une lettre d'observation révélée par le journal Le Monde, les magistrats accusent Jean-Pierre Lafont et son adjoint Guy Boissy d'avoir couvert ou initié des opérations qui relèvent du pénal. La Chambre cite des facturations suspectes émanant notamment de sociétés dirigées par l'ex-capitaine de gendarmerie Paul Baril ou Philippe Le Gorju, ancien chef du GIGN. Jean-Pierre Lafont considère ces accusations comme infondées et annonce un recours au tribunal administratif. L'enquête sur l'assassinat de Richard Dunier s'oriente désormais vers la piste professionnelle. Le directeur de la maternité de la Renaissance à Marseille avait été abattu mercredi dernier d'une décharge de chevrotine devant son domicile. Selon l'AFP, l'hypothèse d'un règlement de compte personnel a été écartée par la police après audition de plusieurs témoins. Air Inter sera en grève demain à l'appel de tous les syndicats présents dans l'entreprise. Les personnels exigent de la direction du groupe Air France et du gouvernement des preuves concrètes et officielles garantissant le développement d'Air Inter. La direction de la compagnie assure que 50% des vols seront maintenus. Les syndicats de leur côté ont invité les voyageurs à ne pas se présenter dans les aéroports. En bref encore, le comité de gestion de l'OM solidaire de Bernard Tapie, dans un communiqué, il se dit ce soir scandalisé par les attaques de la Ligue et renouvelle toute sa confiance au président de l'OM. À 6 jours des élections européennes, nous poursuivons notre série de reportages sur le thème « L'Union européenne, mode d'emploi ». Ce soir, la nouvelle répartition des sièges au Parlement pour les 12 États membres. Ils étaient 518, ils seront 567 dans la nouvelle Assemblée. C'est la conséquence de la réunification allemande et du prochain élargissement de l'Union européenne. L'Allemagne comptera 18 députés supplémentaires issus de l'ex-Allemagne de l'Est. Dans un souci de rééquilibrage, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas disposeront de 6 sièges en plus. Mais contrairement aux souhaits du Parlement, les élections ne pourront se dérouler selon une procédure uniforme. Cette fois encore, chaque État membre adoptera son propre mode de scrutin. En France, c'est la proportionnelle. Chaque électeur vote pour une seule liste nationale. Il faut au moins 5% des voix pour siéger à Strasbourg. Innovation importante, les citoyens européens peuvent se porter candidat ou voter dans leur pays de résidence. Cela concerne 5 millions de personnes, dont 1 million en France. Au Parlement européen, les nationalités s'effacent derrière la logique politique. Les députés ne siègent pas par pays, mais en fonction de leur tendance. Dans l'Assemblée sortante, le groupe socialiste était majoritaire avec 198 députés, juste devant les démocrates chrétiens et le groupe libéral. Mais à Strasbourg, on n'est pas sectaire. On trouve des majorités de circonstances à travers les courants politiques selon les enjeux et la cause à défendre. Ici prévaut l'intérêt supérieur de l'Union européenne.
Le saviez-vous, les montagnes des Hautes-Alpes présentent quelque 2650 espèces de fleurs dont certaines sont protégées. En cette époque de floraison et en cette semaine de l'environnement, Henri Serin nous emmène sur les chemins de randonnée à la découverte de la flore haut-alpine. Les fleurs des Hautes-Alpes, Édouard Chasse les connaît bien, si bien qu'après les avoir observées, il s'appelle le RC Château Renard et il vous attend. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo, beaucoup de vent, mais il fera beau. À 19h55, Serge Dupuy pour le Tout Image. Je vous donne rendez-vous à 12h30 demain. Excellente soirée sur France 3. Bonsoir. Avec Téléstar, vous présente la météo. Bonsoir, les conditions anticycloniques vont progressivement et temporairement s'établir sur l'ensemble de la France. Donc demain mardi, notre région bénéficiera d'un temps estival avec grand soleil et vent faible en général, sauf sur le littoral où des brises marines modérées à assez fortes se lèveront en début d'après-midi. Toutefois, ces brises n'empêcheront pas la mer de rester peu agitée en toute zone. Quant aux températures, elles évolueront le matin de 10 à 15 degrés et l'après-midi en hausse de 19 à 27 degrés sur les Alpes, de 24 à 29 degrés près du littoral et de 29 à 30 degrés dans l'intérieur. Passez une excellente soirée. Et maintenant, notre jeu. Trouvez le titre d'un film de Steven Spielberg comportant le mot « soleil ». En jouant sur le 3615 France 3, gagnez un abonnement d'un an à Téléstar. Et jusqu'à 40 000 francs en répondant aux questions de la semaine sur le bulletin Téléstar où vous trouverez de précieux indices ou sur papier libre. Bonne chance. Un mois pour être belle en maillot. Pouf. Avec Effi, elle est belle sans y penser. Un peu d'Effi, beaucoup d'effet. Et actuellement, vous pouvez recevoir une crème douche Dove pour l'achat d'une barquette Effi. Don Patillot,